salut tout le monde! Bienvenue à un entraînement de Clémence au carré qui cible le haut du corps. Oui, aujourd'hui, on se concentre sur la ceinture abdominale, le dos et les bras. Bras, dos, abdos. On va commencer avec un petit échauffement, puis on vous explique l'entraînement ensuite. On va commencer l'échauffement. Tu peux t'installer tout de suite au sol parce que tout l'entraînement va se dérouler par terre. Donc, on y va avec des cercles avec les bras. L'autre côté. En diagonale. Viens placer les mains derrière ta tête. Tu viens fermer et ouvrir. Et pause. Excellent! On va être prêt à commencer au programme. 4 exercices, 45 secondes chacun. Puis on le refait une deuxième fois, cette fois-ci des 30 secondes. Attention, ça va brasser cet entraînement-là. On aurait pu intégrer, dis-nous, bras, le mouvement, mais on a fait une sélection pour vous. Donc, notre premier mouvement s'appelle un ours hip-hop. Tu vas voir, ça ressemble un peu à un mouvement de breakdance. Quatre pattes, décolle les genoux, et on est parti. Va pas trop vite, prends le temps de repasser au milieu avant de tourner. On veut un bon dos droit, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. C'est un peu cérébral comme exercice. Ouais, quand même, ça demande une certaine coordination. Les abdos solides aussi. Super! Prochain, ça va être des répulsions. Triceps, crabe, touche orteil. Ça fait peur de même. C'est pas si pire, je vous rassure. On s'installe assis comme ça. On veut que ça forme un M. Donc, les mains derrière, doigts vers les orteils. On décolle les fesses. On vient fléchir les coudes. Toucher orteil. Va pas trop vite. Prends le temps de le faire comme il faut. OK, troisième mouvement. Pas le temps de niaiser. Suis Clémence et moi, ça s'appelle le YWT. Garde tes épaules basses, loin des oreilles. On ne veut pas être comme ça ici. Là. Détends. Ça me fait un peu penser à la fameuse chanson YMCA, mais par quelqu'un qui ne savait pas écrire. Plus un YWT. Ça va bien, tout le monde. 5 secondes. Et stop. Et finalement, dernier exercice, la fameuse planche. Mains sous les épaules. On est parti. Là, attention, on veut avoir une belle colonne vertébrale. Donc, on veut pas de dos creux, on veut pas de tente non plus. Reste bien droit, droite. Si jamais tu t'apprêtes à en bras, c'est le plancher, n'hésite pas à descendre les genoux, mais maintiens ta bonne posture. Regarde pas tes pieds non plus, regarde entre tes mains. Bras, vaut tout le monde. Il nous reste une dernière série, tout le monde.
Inquiète-toi pas, on va braver ça tous ensemble. Du début pour des 30 secondes, on repart avec notre ours. Hip hop! Allez, sors tes mouvements de breakdance. Va pas trop vite, fais-le comme il faut. Et stop! On s'installe. Assis, comme tout à l'heure. Crabe. Plie les coudes. Touche orteil. Les fesses décollées du sol, toujours. Encore 10 secondes. Prochain, YWT. Engage bien tes omoplates derrière. Les épaules sont basses. On est fiers, pas courbés. Fiers. 5 secondes. Et stop. Et attention, installe-toi pour la planche, c'est le dernier. Bonne posture. Rappelle-toi, tu peux la faire sur les genoux. Allez, vous êtes capables en masse, il reste 10 secondes. Et on relâche. Abracadabra, notre entraînement est terminé. Ouh! En tout cas, vous avez livré toute qu'une performance. Abracadabra. OK, ça va être beau, la magicienne. On a fini, là. À bientôt, tout le monde!